Et on ouvre les gaz. 5 secondes. Oh, c'est un bon départ encore une fois pour Éric Langevin. De l'extérieur, c'est lui qui a pris le meilleur départ. Qui va sortir du virage? À l'intérieur, on voit Marcou qui prend les devants devant Kennedy et Marty Wolf. C'est le 101 avec Ghislain Marcou. Oh, quelle bagarre! On est quatre bateaux là qui bagarrent pour la position de tête. Oh, tension dans le virage, côté ouest. C'est Ghislain Marcou qui mène. Kennedy deuxième, Marty Wolf troisième. Regardez Kennedy dans le Shameless. Oh, Kennedy qui prend les devants. Mais Marcou qui réplique. Alors que, oh là, Kennedy a une baisse de régime. Kennedy semble être contraint à l'abandon. Là. Oh, dommage pour lui car il pouvait rivaliser avec Marcou, mais là, ça ne va pas bien pour le Shameless. Et c'est Marcou qui s'éloigne devant Wolf et Langevin. Ouais, coup de théâtre là, pour le Shameless là, qui est immobilisé à l'intérieur du parcours. Il était excessivement rapide à la sortie des virages. Il pouvait tenir tête à Marcou, mais là, Marcou, fin seul, devra surveiller Wolf à l'arrière. Et on sait que ces deux-là se bagarrent pour la deuxième position sur la première ligne pour la finale. Ah, et là, Kennedy qui a abandonné dans le tournant côté est. C'est dommage, il semblait avoir une bonne machine. Il était aux côtés de Marcou avant que tout cède. Et espérons pour Marcou qui va compléter les tours, puisque pour lui, ça signifierait une place sur la première ligne, possiblement en deuxième corridor. Donc le GP 101, l'équipe qui a connu certaines difficultés, mais qui en fin de semaine connaît beaucoup de succès. Un tour à faire pour Ghislain Marcou. Le drapeau blanc. Alors que Langevin, lui, se rapproche de Marty Wolf pour la deuxième. Oh, belle performance encore une fois d'Éric Langevin. C'est pas fini là pour le deuxième. Entre le GP12 et le GP93. Ouais, Éric Langevin, une troisième position, lui permettrait de devancer le pièce d'auto Valleyfield et également le Shameless. Donc lui, il se retrouvera en deuxième ligne au départ. Et là, est-ce que Langevin a des chances de passer devant le Shameless au total des points? Et voici un dernier droit pour Ghislain Marcou, vainqueur dans le GP 101 de ABS. Deuxième, Marty Wolf, Renegade, GP 93. Et voilà Éric Langevin qui complète avec une troisième place dans le GP 12, suivi du GP 79 de Joe Sauvy. Alors, qui va être écarté de la finale? On va faire les calculs et on va vous en aviser, puisque il y a un des 9 inscrits là qui, en principe, ne sera pas sur le parcours en finale. On a 5 bateaux sur une première ligne, 3 sur une...